Run the truck, c'est parti. Très simple, j'écoutais, je crois, comme beaucoup de gens, du hip-hop. Je parle du hip-hop à partir de 1982, quoi, 83, tu vois. Et ouais, un peu à l'ancienne. Donc je travaillais aussi avec un beatboxer et puis et un DJ à l'époque. Et donc on faisait les hip-hop parties, tout c'était cool. Jusqu'au moment où moi j'étais un peu blasé, si tu veux, de me déplacer dans les hip-hop parties où il fallait avoir les plus belles baskets et la plus belle casquette. Et que c'était, ouais, tu vois, que c'était un peu que ce truc-là. Et j'ai croisé vraiment au hasard en 89 tonton David, parce que je connaissais sa femme et à l'époque il habitait à Montreuil et j'y habitais aussi. Et ouais, un gros big up aussi, puisque quelque part il m'a mis un peu les pieds dedans du coup, parce qu'il m'a fait tourner une cassette. Bon, après, on s'y est mis avec les gars de Montreuil, dont Azrock, que je big up aussi. Et Bigfoot, je crois qu'il a tout arrêté, mais je le salue aussi parce qu'il a été à l'époque vraiment, il nous a ouvert ses portes. Il avait sa mère avait un petit pavillon de banlieue et donc toute la cave était aménagée déjà à l'époque en studio de répète. Et tout le monde passait là, quand je dis tout le monde, les Saïsaï, tout le monde y est passé. Tous les gars de l'époque en tout cas venaient répéter aussi là. Et ce qui fait que nous, inutile de te dire que pour des jeunes, ça donnait quand même une super force, tu vois, parce que les grosses pointures qui répètent à côté et qui étaient déjà super carrées, tu vois, ça te motive, quoi. Donc on a passé un an et demi comme ça. Ouais, ça bouge bien, c'était vraiment découverte à l'époque pour les gens, mais par contre c'était gros collectif, parce que quand je parle du KNS, je parle quand même de gars comme Poupa Leslie, voilà, tous ces gens-là qui faisaient de l'ancienne école, on va dire, qui avaient vraiment à l'époque était arrivé à vraiment à un son de système massif, quoi, je dirais en genre et en musicalité, quoi. Écoute, toujours est-il qu'à l'époque, la volonté, c'était ça, et c'était de regrouper vraiment la racaille, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire tous les pires des banlieues qui pourtant ont un potentiel musical, et c'est ce qu'il a fait avec la compile Ghetto Youth, et donc moi, c'était mon premier accès aussi sur disque, avec deux morceaux, donc sortis en 94. Après, s'en est suivi séparation de Ghetto Youth, parce que Rude Lion a décidé de remettre les pieds dans le hip-hop, donc à l'époque, il fait l'album d'Expression Directe. Il fait l'album de Big Red un peu plus tard, juste avant de décéder. Et moi, pendant ce temps, je suis récupéré par l'autre partie, donc la partie reggae, on va dire. C'est que quand même, le jour de la sortie nationale, où ils annoncent la sortie nationale, tu cherches de l'album de Lézard dans les bacs de la FNAC, et tu le trouves pas. Et tu le trouves pas pendant une semaine. Et c'est pourquoi tu le trouves pas pendant une semaine. Parce que les types du rayonnage, ils se sont plantés, ils m'ont inclus. Eux, comme en fait, selon les bases de couleurs et les références que tu donnes, bah t'es pas forcément inclus dans musique du monde ou dans reggae. Donc moi, il m'avait foutu dans rock français, tu vois, donc j'ai trouvé l'album de Lézard dans le rock français. Donc évidemment que tous les gars qui allaient dans le rock français, ça les intéressait pas, ils connaissaient même pas, ils étaient sur ces trucs-là et calculaient pas. Et tous les gars du reggae, jamais ils allaient regarder dans le bac français, tu vois. Donc là déjà, ça a donné lieu à, on va dire, 15 jours de tension, tu vois. S'en est suivi l'histoire où je demande des cassettes, parce que je rappelle, on est en 96, le CD est en train d'émerger, c'est pas démocratisé, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un lecteur CD, donc je me dis, ben c'est con, il y a des CD, mais finalement je suis dans une musique qui s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément d'oseille, et tu le fous sur un produit que les gens ils peuvent pas se payer, c'est un truc de malade, tu vois, sachant qu'ils n'avaient pas prévu de faire du vinyle. Donc bah ben, voilà, tu vois, c'est je redescends, j'ai déjà 26 ans et j'ai un daron qui me dit, bon ok, c'est cool, là, tu connais toute la vie, tu sais faire de l'oseille, mais tu sais pas ce que c'est que le travail, alors maintenant que tu reviens à la maison, tu vas fermer ta gueule, tu vas aller bosser. Il a pas eu tort, hein, je te dis, tu vois. Et donc, bah moi, pendant 4 ans, j'ai découvert très tard, hein. Jusqu'avant, j'avais jamais travaillé, je savais ce que c'est que de ramener du blé, si tu veux, mais pas d'aller pointer le matin, quoi. Et donc là, bah, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai fait partie des gens qui changeaient de basket tous les jours, tu vois, en fonction du soleil ou du machin, tu vois, et bon, tu vois, avec du crocodile partout, et j'en passe, c'est des meilleurs, mais bon, voilà, au bout d'un moment... Quand tu te rends compte que c'est pas ça, moi en tout cas je me suis rendu compte que c'était pas ça, donc aujourd'hui je me ressens le besoin de le dire, mais effectivement je parle quand même un petit peu un minimum en connaissance de cause.
Et donc voilà, 4 ans où je fais un break total, c'est-à-dire plus de musique, plus de tous les potes, hein. C'est-à-dire j'avais fait un truc total, c'est coupé de Paris, exprès pour pas avoir de nouvelles et pour pas avoir de tentations de machin, tu vois, parce que ça va vite. J'avais un produit mort, c'est-à-dire, sache quand même que quand j'ai repris la musique aussi en l'an 2000, il y a les ex-ghetto youth qui eux se sont sentis que peut-être j'allais faire des couilles en l'air avec le truc, tu vois. Donc ben eux ils m'ont dit direct, attends, bouge pas, t'as signé un contrat avec j'avais interdiction de changer de nom ou de prendre un autre pseudo pendant 99 ans, tu vois. Donc quand tu te remets, tu vois, quand tu te remets dans la musique et que t'as des gars d'il y a 4 ans avant qui viennent te dire, attends Coco, si tu veux travailler, va falloir que ça passe. Si faire de la musique est un crime, que Patate Record, alias Belleville Hill, décide de mettre en 45 tours et de diffuser, ça fait un premier hit underground qui me remet un peu dans la matrice, on va dire. En 2002, je fais mon pays est malade suite aux élections où Le Pen s'est retrouvé face à Chirac. Indépendant. D'ailleurs, voilà, petite piqûre de rappel, tous ceux qui sont fans de reggae et de hip-hop, faut qu'ils continuent autant que faire se peut à faire vivre ces magasins. C'est-à-dire, s'ils peuvent aller choper leurs CD, là-bas, leurs vinyles, leurs scuds dans ces magasins-là, faut y aller. Ça, c'est parce bien que, de rappeler. Bah ouais, parce que finalement, c'est souvent bah, c'est des gens comme toi, comme moi, c'est même souvent des potes qui se démerdent tout simplement à faire leur entreprise, comme tu montes une entreprise de maçonnerie, je sais pas quoi. Ils mettent tout leur cœur, leur couille, tout ce qu'il faut pour faire leur truc. Si on les appelle pas ou si on va pas les voir. Et voilà, bah, 2004, première version de Saltimbanque, donc de cet album-là, avec seulement 12 titres. Voilà, on y arrive. Et vendu en un mois et demi, deux mois, 1500 exemplaires sous le manteau, sans avec l'appui de quelques potes des radios. Voilà. Heureusement, j'ai quand même aussi quelques potes qui ont des trucs porteurs, tu vois, Casa avec l'émission Sunday Culture, que je big up, Polino à l'époque qui avait Génération, que je big up, voilà, tous ces gens-là, c'est de la chance, c'est des gars avec qui j'ai déjà bossé il y a 15 ans, avec qui on prend toujours autant de plaisir à bosser, qui m'ont accueilli très facilement, peut-être que si j'avais été un nouvel artiste, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal, et eux m'ont rouvert les portes, ils m'ont permis d'avoir une diffusion un peu plus, de rattraper un peu le temps perdu, si tu veux, c'est-à-dire toutes ces années où c'était en latence, où il fallait reconstruire, voilà, là ils m'ont aidé à me remettre un petit peu dans le truc. Et donc on s'est retrouvé en, là dans la, les deux dernières années, on s'est retrouvé avec la possibilité de refaire un autre album, si ça les intéressait ou si ça leur plaisait que ça se retrouve sur un album. Okay. Ils m'ont dit, ah bah ouais, pourquoi pas. Et donc du coup j'ai fait un Saltimbanque deuxième édition avec 20 titres et avec 12 titres en plus. C'est-à-dire j'ai gardé 8 titres du premier et j'en ai rajouté 12, avec y compris, je sais pas, je crois qu'il y a 8 combinaisons de 12 horizons, avec Maca Diamond qu'on va écouter tout à l'heure, qui est une Jamaïcaine, avec Kamasa, c'est un groupe suisse, Little Frankie que je big up, qui est animateur pour Party Time et que c'est un big bad chanteur. Hermano Ele, c'est un artiste espagnol, parce que je bosse aussi avec les Espagnols depuis 4 pareil, ans. Madrid ou Barcelone, ce sont des villes dans lesquelles il fait super bon se promener la nuit, parce que la nuit à 4h du matin, tu croises des papis, des mamies sur un banc en train de discuter, tu croises de tout. À 4h du matin à Paris, t'as que les lascars qui sortent, les mecs qui sont beaux, c'est pas la maman bio. Voilà, tu vois, c'est voilà, ou les trois Kaira qui sont venus taper des postes, mais jamais tu croises des mamies, enfin, où tu vois, où tu croises toutes sortes de populations en train de boire un coup de vent, quoi. Ceux qui kiffent Monsieur Lézard, vaut mieux venir en concert, vaut mieux choper l'album sur place de la main à la main, ou tout simplement moins cher, et tu sais que, et t'engraisses pas un cartel déjà derrière, tu vois, sachant que pour finir encore mon petit truc, Major Compagnie égale financement énorme. Financement à côté, non, mais quand je dis financement à côté, Vivendi, ah oui, Universal, grosse société, quoi. Elf, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que d'un moment donné, dans l'industrie musicale, on se fait bouffer par les gars. Les fonds repartent après dans l'industrie pétrolière et machin, tu sers à engraisser ces gens-là, donc au final, non. Donc on va conseiller à tous nos éditeurs d'aller chercher chez les petits disquaires déjà. Ouais, exactement. Donc exactement. Allez tous sur Châtelet. Il y a des shops de reggae de toute façon partout en France maintenant, voilà, dans toutes les villes de France. Allez chercher. Je suis plutôt conscient, on va dire, dans mon mode de pensée et dans mon mode de diffusion de messages. Et là, Maca Diamond, quoi qu'elle est en train de changer, mais elle s'appelait avant Lady Mackerel, c'est anciennement Lady Mackerel, donc inutile de dire qu'elle fait du gros dancehall et qu'en plus elle est très portée sur le cul et voilà, elle sait, non mais ouais, c'est son délire, c'est ça quoi, tu vois, au départ. Et donc le truc intéressant, c'était d'essayer de faire une love song, une chanson d'amour, avec une nana qui normalement représente le bling bling et moi qui représente entre guillemets le French lover, tu vois.
Et après, le challenge était, comme d'habitude, de pas faire une simple chanson « Je t'aime, tu m'aimes » avec des réponses, tu vois. Je voulais faire plutôt une chanson pour adultes. Et donc, bah voilà, c'est ce qui donne ce sujet-là d'attirance par une autre personne quand t'es déjà très bien avec quelqu'un, mais qu'il y a un petit coup de foot qui se passe ou machin, et que ça, bah, t'es pas forcément à l'abri de ce truc-là. Donc voilà, je prenais une petite anecdote après, et comme moi, je suis quand même... sur les valeurs à l'ancienne, on va dire, en tout cas concernant le couple, c'est-à-dire que je suis pas trop consommateur. Moi, quand je suis avec quelqu'un, si elle me va bien, point barre. Okay. J'ai même pas envie de regarder ailleurs, tu vois. Et donc voilà, bah, je me suis mis dans la peau du gars qui ne regarde pas ailleurs et qui pourtant se laisse tenter en essayant de discuter un petit peu de ce qui nous a donné ce morceau. Petit, voilà, ce qui a donné ce morceau-là. Bon, okay. Nous, on va passer au freestyle, parce que sur Marmite FM, bien sûr, il y a la partie son enregistré en studio et la partie live. Là, on est en partie live, même si c'est un studio, un très beau studio. On passe en partie live, on s'écoute ça, on se lance le premier son. Vous êtes bien calé sur 88.4, je bégaye des fois. Et là, c'est parti avec Monsieur Lézard. Juste le temps de me caler. Ok, massive, massive, mettez vos poules, mettez-vous bien. 1h10, ça se passe sur Marmite FM 88.4. Ça c'est une production française, Mr. Inc, Big Up Myself, Inc Balling Production. Je brûle le retour à Zion, le retour au vert. Ok, coûte celle-ci. Ouais, ouais, j'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. J'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche le bonheur. Les siècles se succèdent, la vie bat à 100 à l'heure. On apprend à courir, avoir l'esprit d'un vainqueur. Toujours être le premier, toujours être le meilleur. Puis un jour j'ai compris qu'avoir le sens des valeurs ne signifie pas forcément être à la hauteur. J'ai décidé de faire ce que me dictait mon cœur. J'ai atterri au royaume des animaux et des fleurs. J'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. J'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. J'ai découvert à quelques lieux un autre univers, une sorte de jardin et d'un paradis sur terre. Un endroit où l'homme et la nature sont comme deux frères, qui s'entraident pour ne pas que se propage l'enfer. J'ai quitté la ville, ses trottoirs et ses réverbères, pour profiter des champs, des oiseaux et des rivières. Me retrouver au calme et mettre mon esprit au vert. Me retrouver au calme et mettre mon esprit au vert. Well, j'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. J'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. Je laisse la ville au citadin, j'ai trop de mal avec l'humain. Trop de monde pour peu mettre carré talin, clapier à lapin. Je deviens mauvais et me laisse aller à mes plus bas instincts. Ça peut te paraître bizarre mais j'ai besoin d'être pur pour être bien. Pour ne pas finir insociable, a fallu que je change de coin. Perdu dans un coin paumé pour ne pas avoir de voisin. Seule ma femme et mes deux clefs m'accompagnent au quotidien. À force d'entendre parler de Zion, il a fallu que je trouve le mien. J'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin j'ai fini par le trouver. J'ai cherché un havre de paix pendant des années, pendant des années. J'ai cherché un havre de paix. Aujourd'hui enfin, ça c'est un extrait de ce que tu auras ce soir. Sélecteur, on voit la prochaine directement, on va leur dire. Rien n'est plus exemple, des petits trucs pour te mettre chaud. C'est simplement un petit extrait de plus que t'auras ce soir. Ce soir c'est multiplié par 4 avec les artistes officiels, peut-être 6, 7, 8 avec tous les autres. Ok, je fais un gros big up pour tout le bal, bal, tout bal, high power in the heart international. Yeah! Allez, repart, Istanbul Redim, coûte celle-ci, tchou. Mon pays est malade, il n'a pas supporté le passage à l'an 2000. Mon pays est malade, il est devenu sénile. Mon pays est malade, il n'a pas supporté le passage à l'an 2000. Mon pays est malade, il est devenu sénile.
faire. Qu'au lieu d'évoluer, on fait des bons en arrière. Que ceux qui ont des privilèges sont les mêmes qu'hier. Le pire, c'est que tout le monde le sait, personne n'a peur rien faire. J'ai beau m'égosiller à chanter, nous sommes tous frères. On va quand même tout droit au régime totalitaire. Liberté, égalité, c'était pour nos grands-pères. Y'en a qui sont morts pour ça, aujourd'hui je n'en suis pas fier. Mon pays est malade, il n'a pas supporté le passage à l'an 2000. Mon pays est malade, il est devenu sénile. Mon pays est malade, il n'a pas supporté le passage à l'an 2000. Mon pays est malade, il est devenu sénile. Les lois protègent les grands et laissent les petits derrière. C'était comme ça hier, c'était comme ça avant-hier. Elles donnent à notre président une augmentation de salaire et maintiennent la population le nez dans sa misère. Elles transforment la musique en bruit d'une drôle de manière. Faut que les fumeurs de weed ont du souci à se faire. Qui a voté ça, ni toi ni moi, c'est clair. Mais alors qui, je demande qui donc se cache derrière. Mon pays est malade, il n'a pas supporté le passage à l'an 2000. Mon pays est malade, il est devenu sénile. Se ha puesto enfermo, mi país no ha soportado el cambio a 2000. Se ha puesto enfermo, ya se vuelve loco. Pull up. Et arrive sur la dernière version instrumentale, dernier petit tune pour finir l'émission. Hey, jusqu'à 13h, Marmite 84 FM, qui passe. Chou. Monsieur les hommes, encore une fois, aime la vie que tu aimes, vis la vie que tu vis. Essayons d'être positifs, ouais, pour faire le tour de la situation. Soyons un peu plus attentifs, ouais, à chaque problème se trouve une solution. Tu penses avoir touché le fond, ouais, mais les étages de l'enfer se trouvent plus profonds. Si tu y crois et que tu tiens bon, ouais, les anges te chanteront cette chanson. La vie est ainsi faite, elle n'est qu'une succession de victoires et de défaites. La vie est ainsi faite, pas facile de faire de chaque jour un jour de fête. La vie est ainsi faite, elle n'est qu'une succession de victoires et de défaites. La vie est ainsi faite, pas facile de faire de chaque jour un jour de fête. Ouvre les yeux et rends-toi compte, ouais. Quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Méfie-toi et ne tiens pas compte, non, de la pas du gain qui règne dans ce bon monde. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, heureusement. Il y a un milieu pour chaque chose à chaque instant. À toi de savoir ce qui est bien maintenant. Pour croquer la vie à pleines dents. La vie est ainsi faite, elle n'est qu'une succession de victoires et de défaites. La vie est ainsi faite, pas facile de faire de chaque jour un jour de fête. La vie est ainsi faite, elle n'est qu'une succession de victoires et de défaites. La vie est ainsi faite, pas facile de faire de chaque jour un jour de fête. Essayons d'être positifs, ouais. Allez, on vous salue, on vous dit à ce soir. Merci encore de nous avoir accueillis. Ça se passe comme ça, tous les samedis, 11h, 13h, Marmite 84 okay. FM, Big up on ourselves, ciao. Ok, merci à toi monsieur Lézard, merci pour ce pur freestyle. Je vous rappelle qu'on est là tous les samedis de 11h à 13h, que vous pouvez retrouver le Kaou l'écrou tous les mercredis soirs à partir de 20h jusqu'à 21h. Bien sûr, ça déchire, c'est toujours reggae, bonne vibe, bonne ambiance. Oh, big up Lord Homme qui est dans nos studios ce matin, Bab Toupal aussi qui est dans nos studios. Ok, sur ce, on souhaite un bon week-end à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, à tous nos artistes qui sont venus ce matin, au Kaou l'écrou, bien sûr, mon crew. Tous les Kaou l'écrou qui est là, my man Lyra Gange. Ciao les gars, on se retrouve la semaine prochaine.